Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. J'espère également que votre mois de novembre se commence très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2019 pour les signes de feu. Alors pour les béliers, les lions et les sagittaires, bienvenue à vous. Bienvenue à tous les autres signes également. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez actuellement. Alors, je vous invite à aller voir les vidéos dans les autres catégories de signes concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour un complément d'information. Et je rappelle à nouveau, avec ma petite clé de la destinée, hein, toujours ici pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, et que les tirages ne sont pas coulés dans le béton. C'est-à-dire que si une situation ou une autre vous déplaît, vous avez le pouvoir de changer le courant des choses. Alors voilà, vous reprenez tout simplement votre pouvoir personnel sur la situation. Donc, on commence pour vous, mes chers signes de feu, avec d'abord le tronc commun, qu'on va aller éclairer un petit peu plus tard. Alors, d'abord, dans le domaine professionnel, je vous dirais, je vois deux aspects ici. On a le pendu, on a la justice. Alors, pour moi, ce que ça me dit, c'est que particulièrement au mois de novembre, d'abord, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez sentir un certain blocage au niveau professionnel. Vous allez peut-être, on va peut-être vous forcer soit à arrêter de travailler pour un moment parce que vous faites face ou vous allez faire face peut-être à la justice. Ici, on a la justice, donc c'est clair, hein, peut-être qu'il y aura un procès en cours, une mesure disciplinaire, peu importe. Pour certains d'entre vous, c'est ce qui se passe. Mais sous un autre angle, je pourrais dire aussi que c'est possible que vous vous posez des questions sur votre travail, hein, sur ce que vous voulez faire maintenant comme travail ou à l'intérieur même du travail que vous faites. Actuellement, il y a un certain blocage, il y a un certain, c'est comme si vous n'arrivez plus à avancer. Et j'ai l'impression que certains veulent se détacher du travail qu'ils font actuellement pour passer peut-être à quelque chose de nouveau, peut-être de complètement différent, mais peut-être aussi, tout simplement, certains d'entre vous auront besoin d'aller chercher des compétences supplémentaires, de s'initier à quelque chose de nouveau pour parfaire leurs compétences, leurs connaissances. Et mais en tout cas, il y a une décision ici à prendre au niveau professionnel. Alors, c'est sous ces deux aspects que je vois ce que les cartes veulent bien nous dire. On va essayer d'éclairer un petit peu plus tard pour voir de quoi il s'agit exactement. Mais il y a deux aspects. Soit que certains, c'est certain que c'est pas tout le monde hein, qui font face à la justice, bien sûr. Alors, ça s'adresse simplement à ceux qui vivent cette situation. Mais pour les autres, ça sera probablement une décision face au domaine professionnel parce qu'on sent un certain blocage, comme si on n'avance plus et comme si on a besoin de quelque chose de nouveau. Ensuite, dans le domaine relationnel, ce qu'on voit, alors mes chers signes de feu, je vous dirais particulièrement au mois de novembre d'être prudent, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans le domaine relationnel, vous allez beaucoup vous investir. Hein. D'abord, on a le 3 de bâton. Vous allez vous investir beaucoup. Vous êtes des signes de feu, vous êtes des gens passionnés et souvent impulsifs aussi. Alors, probablement que vous allez tellement investir, mais j'ai l'impression que vous allez investir
pas seulement au niveau amoureux, mais au niveau financier et au niveau matériel aussi. Hein. Vous avez la reine de deniers qui s'assure, hein, qui veut s'assurer que tout son monde soit bien, confortable. Alors, on met de l'argent dehors, on ne néglige rien et on veut que les gens qui nous entourent soient bien au niveau matériel et au niveau financier. Mais ici, on vous appelle à faire preuve de sagesse, d'accord? Surtout si on regarde le domaine professionnel où il y a des décisions à prendre, où il y a un certain blocage. Alors, je ne sais pas, ça peut être au niveau pécunier, ça peut être au niveau financier, hein, le blocage, ça peut être aussi au niveau simplement du travail. Mais si vous êtes en arrêt de travail ou si vous prenez un temps pour réfléchir à votre situation professionnelle, peut-être que ce n'est pas le temps de faire de grandes dépenses actuellement. Alors ici, on vous appelle à la sagesse, à faire preuve de sagesse, au lieu de dépenser beaucoup d'argent tout de suite. Hein. Surtout si vous commencez dans une nouvelle relation pour certains d'entre vous, comme vous êtes passionné, comme tout passe par la passion, vous êtes aussi passionné dans le don, dans ce que vous avez à donner ou à offrir aux autres. Alors, faites preuve de sagesse ici. De tempérance, hein? On a la carte tempérance qui se présente, hein? Tout est une question d'équilibre. Alors, on vous appelle ici à vous modérer, à mettre un frein un petit peu sur ce que vous avez à offrir au niveau matériel, au niveau financier. D'accord? Alors, tout est une question de modération et de sagesse ici pour vous. Maintenant, au niveau spirituel. Alors, au niveau spirituel, ce qu'on me dit, c'est que vous devez évoluer, ce mois-ci particulièrement, dans une énergie de réflexion. On a le palais d'épée. Alors, le palais d'épée, hein, c'est l'énergie dans laquelle on devrait évoluer pour être à son meilleur, en fait, pour être... bien dans ce qu'on fait. Alors, on vous demande ici d'avoir, au niveau spirituel, un esprit critique. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. D'accord? Vous avez l'étoile également. L'étoile, c'est un personnage qui est dans l'amicalité, qui est très ouvert. Alors, si vous faites de nouvelles rencontres, par exemple, et qu'on vous... on vous parle de certaines choses au niveau spirituel, vous aurez peut-être tendance, hein, tout de suite à accepter ce nouveau concept, à vous embarquer dans certaines choses, mais on vous demande ici d'avoir un esprit critique avec le palais d'épée. D'accord? C'est dans cette énergie que vous devez évoluer ce mois-ci, surtout si vous essayez de nouvelles choses au niveau spirituel, si vous allez chercher de nouvelles connaissances, si vous rencontrez des gens qui sont très amicaux avec vous et qui vous invitent à partager, hein, la même conception des choses. Alors faites attention parce que avec l'étoile, en fait, on vous dit que vous allez reconnaître quand vous allez être à votre place au niveau spirituel. Alors, vous avez votre propre étoile à suivre, donc suivez-la. Ne suivez pas tout ce qu'on vous dit, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit et ne gobez pas tout ce qu'on vous dit également. Donc, vraiment évoluer dans un esprit critique ce mois-ci, ce mois de novembre. Ça sera très important pour vous. Et j'ai pigé avec l'oracle lumière deux cartes d'éclaircissement pour ce tirage. Et la première carte, on a la carte du déménagement. Alors, ça explique des choses ici. On a vu que vous allez vous investir beaucoup au niveau financier, au niveau matériel. Hein. Vous voulez être confortable. Alors, si vous déménagez probablement avec une nouvelle flamme ou bien avec la personne que vous êtes déjà, vous décidez de déménager, de changer de lieu, bien, je vous invite encore une fois à la prudence, à la modération, parce que il y a un certain arrêt ici au niveau professionnel, d'accord? Donc, faites attention à vos dépenses ici. La passion, la personne passionnée que vous êtes a tendance à ne pas réfléchir au lendemain.
et à se créer parfois des problèmes au niveau financier. Alors, faites simplement preuve de tempérance et de modération, de sagesse également. Et on a la carte foyer. Alors, pour moi, c'est clair, hein, vous passez à une prochaine étape dans votre relation, que vous soyez déjà en couple ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous décidez peut-être d'emménager ensemble, de créer un foyer, surtout si il y a des enfants qui s'en viennent. Peut-être que vous avez déjà des enfants, mais peut-être que votre partenaire ou vous-même êtes enceinte. Et donc, vous allez créer une petite famille. Donc, la prudence est de mise, la tempérance, la sagesse au niveau financier et matériel est de mise. Hein. L'impulsivité ici, on vient vous dire, faites attention, calmez vos ardeurs pour ce mois-ci. Ça ira probablement mieux un peu plus tard, mais pour le moment, il y a un peu d'instabilité au niveau professionnel, pas trop certain des décisions à prendre. Alors soyez simplement intelligent dans votre façon de dépenser et soyez aussi vigilant. Voilà. Alors, c'est clair ici pour ça. Maintenant, je vais essayer d'éclairer un petit peu plus votre tirage, mes chers signes de feu. Donc, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici dans le domaine professionnel? Alors, on nous parle d'un certain arrêt, d'un certain blocage, de décision à prendre. Alors, j'aimerais savoir à quel niveau, quelle décision ou à quel niveau, qu'est-ce qu'on a à nous dire dans le domaine professionnel pour les signe de feu. Alors, on nous parle d'expression. Alors, vous êtes des signes de feu, vous êtes des signes impulsifs parfois. Alors, probablement, je vais essayer de voir un petit peu plus loin encore. Probablement, oui, c'est ce que je vois ici pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la mesure disciplinaire, ou bien vous allez faire face à la justice, peut-être dans le domaine professionnel, c'est que j'ai l'impression que vous avez eu un certain conflit avec certaines personnes. Vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous êtes peut-être employé, vous avez peut-être eu des différends avec votre employeur ou avec vos employés. Et vous vous êtes peut-être exprimé de façon beaucoup trop enflammée ici. La reine de bâton, hein, qui est quand même un personnage qui est passionné et qui est, comment je pourrais dire, qui peut être aussi un peu autoritaire, hein. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre ici, c'est que peut-être que ce n'est pas tout le monde, en fait, qui est capable de gérer votre impulsivité, si je peux dire ça comme ça. D'accord? Vous avez peut-être tendance à être un peu dominateur ou dominatrice, à avoir un esprit querelleur aussi un petit peu. Le fait peut-être aussi tendance à juger les autres. Hein. On a quand même la justice ici. Alors, vous avez peut-être eu tendance à juger certaines personnes et ça a créé des conflits. Il ne faut pas le prendre mal. Hein. Les cartes ne font pas attention aux sentiments des gens. Ils ne disent que la vérité. Alors, il y a une question de conflit ici. Hein. On a quand même le 5 de bâton et la reine de bâton. Alors, beaucoup d'impulsivité, beaucoup peut-être d'agressivité. Et de querelles ici. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, vous faites affaire à la justice ou à une mesure disciplinaire au niveau professionnel. On vous a peut-être même demandé d'arrêter pour un certain moment le travail, pour le temps de reprendre vos esprits ou le temps de régler la situation. On vous a peut-être donné congé, un congé forcé ici. Donc, vous attendez une décision par rapport à cette mesure disciplinaire, vous attendez une décision en justice, ou bien vous-même, vous avez une décision à prendre quant à votre travail. Est-ce que vous y retournez? Est-ce que vous décidez de changer d'emploi carrément?
Alors, pour une certaine situation ici conflictuelle. Alors, c'est vraiment ce que ça me dit ici. Alors, si c'est le cas, bien sûr, alors vous comprendrez pourquoi on vous invite à la prudence ici au niveau financier. Si vous n'êtes sûr de rien encore et que vous devez encore attendre un verdict, une justice ou quoi que ce soit, bien, et que vous êtes en arrêt, probablement peut-être sans solde pour certains, ou même si vous continuez d'être rémunéré, vous avez l'intention peut-être de prendre des décisions quant à votre travail, si vous continuez ou non, si vous allez chercher quelque chose de nouveau. Alors à ce moment-là, c'est peut-être pas le moment de faire de grandes, grandes dépenses pour le mois de novembre. Alors tout simplement être équilibré dans vos dépenses et faire preuve de sagesse. Donc j'espère pour vous que cette situation-là va se régler très bientôt. Alors, on va essayer maintenant d'aller éclairer dans le domaine relationnel aussi. Pour moi, c'est déjà clair, hein, mais parfois, les cartes ont d'autres choses à nous révéler. Alors, pour les signes de feu, les Sagittaires. Ah oui, ok. Alors, on nous dit ici, hein, avec le côté obscur, en fait, ça représente la carte du diable ici. C'est ce qu'on nous dit, hein. C'est que. Donc, c'est vraiment une question d'argent ici. Voyez-vous, on a le côté obscur. Le côté obscur ou le diable, c'est une carte qui peut parfois nous parler de dépendance, d'attachement à l'argent. Mais quand je dis attachement à l'argent, c'est-à-dire pas nécessairement de façon négative, mais ça peut vouloir dire que vous avez tendance à dilapider un peu votre argent, justement. Alors ici, quand même, vous avez une chance, vous avez une certaine chance au niveau monétaire. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose, mais je sens ici qu'il y a comme un petit vent de renouveau, peut-être dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui s'en vient. Si ce n'est pas la décision, c'est peut-être un nouvel emploi ou de nouvelles responsabilités, peut-être au niveau du travail, mais qui va vous apporter quand même un petit relâchement au niveau financier. Mais soyez quand même prudent, hein, parce que si vous vous fiez seulement là-dessus, vous aurez tendance peut-être à trop dépenser. Le diable, hein, ça nous parle parfois des dépendances. Alors, si vous êtes, par exemple, dans un état d'esprit un peu dépressif à cause de ce qui se passe au niveau professionnel, vous aurez peut-être tendance à jouer au jeu, à dépenser, par exemple, au niveau de l'alcool, ou peut-être aussi, comme vous êtes des gens passionnés, que vous êtes dans une nouvelle relation, ou bien que vous avez de nouvelles. C'est-à-dire des nouvelles choses qui se passent dans votre couple, hein, déménagement, création de foyer, vous aurez tendance à beaucoup dépenser pour du matériel. D'accord? Alors, l'argent va quand même entrer, mais vous allez avoir peut-être tendance à dépenser beaucoup trop dans toutes sortes de choses, hein, avec le côté des dépendances. Donc, soyez prudent à ce niveau-là. C'est l'équilibre ici qui est important. Et maintenant, dans le domaine spirituel, alors encore une fois, si vous êtes dans un état d'esprit où vous vous sentez vulnérable, dans le domaine spirituel, c'est là où il faut faire attention aux rencontres que vous faites, avoir un esprit critique. Et si jamais on vous parle de certaines choses, ayez toujours un esprit critique et faites vos propres. Suivez votre propre voie ici. D'accord? Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Alors, exactement, encore une fois, vous aurez un choix à faire. On vous mettra devant un choix au niveau spirituel. Alors, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je dois choisir? Je dois choisir ce qui me convient.
avoir un esprit critique, ça veut dire de regarder est-ce que ce qu'on me propose au niveau spirituel, est-ce que ça me convient moi? Est-ce que j'ai l'impression qu'en suivant cette voie qu'on me propose, est-ce que j'ai l'impression que je rencontre ma propre voie? D'accord? Alors, vraiment, il y a la notion de suivre votre propre voie, d'avoir un esprit critique et de faire le meilleur choix pour vous au niveau spirituel. Et ça, c'est très important pour vous, mes chers amis. Alors maintenant, pour personnaliser un petit peu plus le tirage, pour vous les signes de feu, je vais procéder à la coupe. Alors pendant que je fais la coupe, bien on peut avoir des messages supplémentaires également. Alors je vais commencer d'abord par les béliers. Donc qu'est-ce qu'on a à révéler aux béliers? Alors déjà une carte, oups, ici beaucoup trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a en 2019? Ok. Alors, je pense que ici, mes chers béliers, certains d'entre vous, vous subissez de grandes difficultés. Vous êtes affaissé, atterré peut-être par ce qui s'est passé au niveau professionnel, les querelles, la justice ou bien la mesure disciplinaire qui est là pour vous. Ça vous affaiblit, ça vous fatigue énormément. Vous avez l'impression d'être complètement vidé de toute énergie. Au niveau mental, hein, ça travaille beaucoup chez vous en ce moment. C'est très difficile pour vous de subir les conséquences, peut-être adaptées à votre situation, j'allais dire de subir les conséquences de vos inconséquences, peut-être ici, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans une situation où c'est très difficile pour vous de vous relever au niveau peut-être psychologique ici ou mental. Et je vais faire la coupe ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers amis, c'est que vous avez récolté, en fait, ce que vous avez semé. Alors, c'est parfois difficile hein, de faire des tirages et de dire certaines vérités, mais ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous rendez compte hein, que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Si vous avez un esprit batailleur, si vous avez un esprit querelleur au niveau professionnel, peut-être que ce n'est pas la première fois qu'on vous avise. Alors, parce que si on vous a mis en arrêt, c'est que la situation, elle est quand même assez importante pour qu'on vous mette en arrêt. Alors, prenez conscience hein, de ce que vous avez semé. Et ici, le tirage vous vient en aide d'une certaine façon. Parce que ça vous épuise hein, d'être dans une situation comme ça. Vous avez des sentiments aussi. Alors, ce qui s'est passé, peut-être que vous le regrettez, peut-être que ça vous fait du mal, peut-être que ça vous affaiblit, mais le tirage vient vous faire prendre conscience de certaines choses. Alors, pensez toujours dans la vie que ce que vous semez, vous le récoltez également. Et peut-être que vous allez pouvoir, à partir de maintenant, repartir sur de nouvelles bases plus positives. Et peut-être cet événement-là vous aura fait pris conscience de certaines choses. D'accord? Alors voilà pour vous les béliers, c'était la coupe. Pour vous, je retire cette carte-là pour maintenant faire la coupe pour les lions. Je vais juste brasser un peu pour neutraliser. Donc, maintenant, pour les lions, s'il vous plaît, un message supplémentaire. Donc, parfois, il y a des messages supplémentaires, parfois, il n'y en a pas. Mais on va quand même faire au moins une coupe. Ouh! OK. Alors, encore une fois, on vous appelle à la sagesse. On vous appelle à la sagesse.
Et on vous parle de destinée, hein? C'est vous qui avez la clé de votre destinée. C'est vous qui savez dans quelle direction vous voulez donner à votre vie. Alors, faites preuve de sagesse au niveau probablement financier, au niveau matériel également. Il n'en tient qu'à vous, hein, de faire en sorte que votre vie aille bien ou moins bien. Ici, la roue de fortune peut-être vient nous parler dans le domaine spirituel pour ceux qui sont engagés dans quelque chose, dans une voie spirituelle. On vous dit d'avoir l'esprit critique toujours, donc c'est vous hein, qui décidez ce que vous faites avec ce qu'on vous envoie, ce qu'on vous envoie sur votre chemin. Alors, soyez dans un esprit critique, mais faites les bons choix pour vous et soyez prudents, soyez dans la sagesse aussi au niveau financier. Et finalement, je vais faire la même chose pour les Sagittaires. Alors, un petit brassage pour neutraliser tout ça. Pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Message pour les Sagittaires. Alors, je pense que le tirage est assez clair pour vous. Pas de message particulier. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à ce que je viens de dire pour les béliers et pour les lions. Je fais quand même la coupe pour vous. Alors, je pense que vous allez devoir travailler en symbiose ou en partenariat justement avec votre partenaire ici. Quand on vous dit ici de faire attention au domaine financier hein, par rapport à ce qui se passe ici au domaine professionnel, bien avoir peut-être vous assurer d'avoir la même vision ou plutôt vous assurer que votre partenaire a la même vision que vous. Hein. On a parlé tout à l'heure d'un déménagement pour créer un foyer. Alors peut-être que si les choses sont en plan ce mois de novembre, hein, c'est-à-dire s'il y a comme un blocage au niveau financier, s'il y a un blocage au niveau professionnel, peut-être amener votre partenaire à comprendre hein, ce qui se passe présentement et travailler dans la même direction. Hein. Vous avez le 3 de Denis ici, c'est un travail d'équipe, un couple. Alors, de travailler dans la même... avoir la même vision pour l'avenir, en fait. D'accord? Alors, essayez de faire les choses avec sagesse. On sent quand même que l'argent s'en vient. Hein? Vous n'allez pas être abandonné à ce niveau-là. Mais peut-être que pour le mois de novembre, c'est un temps où vous devez mettre les freins un petit peu. Faire attention aux dépendances. Hein? Si vous avez des difficultés au niveau professionnel, faites en sorte que ça ne vienne pas déranger votre côté familial en tombant dans des dépendances inutiles, d'accord? Donc, je parle ici de l'alcool, ça peut être la nourriture, l'alcool, les drogues, le fait de dépenser beaucoup. Alors, ayez la même vision, travaillez de pair avec votre partenaire, hein, travaillez en équipe pour faire en sorte que les choses se passent bien ici pour vous. Alors, voilà pour les signes de feu pour ce mois-ci, pour le mois de novembre 2019. J'espère que le tirage vous a plu. J'espère qu'il vous donne des pistes de solutions, des pistes de réflexion aussi, qui va vous permettre, en fait, de prendre conscience de certaines choses aussi. Parce qu'il y a des choses à prendre conscience, hein. On doit prendre conscience de certaines choses ici dans ce tirage. D'abord, de travailler hein, par rapport aux conflits qu'on peut créer au niveau professionnel, d'avoir assez de sagesse et de tempérance pour modérer ses revenus, modérer ses dépenses aussi.
et aussi avoir un esprit critique au niveau de la spiritualité. C'est très important pour vous ce mois-ci. Donc, vous devez prendre conscience de plusieurs choses à plusieurs niveaux, les signes de feu. Alors voilà, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça a pu répondre à certains de vos questionnements. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, surtout peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'oubliez pas également que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin. Mon adresse se trouve en barre d'infos. Vous pouvez me rejoindre à cette adresse pour me faire la demande d'un tirage personnalisé et ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Alors voilà mes chers amis, je vous remercie de votre habituelle écoute. Prenez soin de vous ce mois-ci et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Merci, au revoir.